Si le séjour de Jeanne d'Albret à La Rochelle fut bref, il n'en fut pas moins intense. Elle a laissé ici d'innombrables empreintes de son passage. Nièce de François Ier, mère d'Henri IV, elle est la seule femme à gouverner un royaume, celui de Navarre. Féministe avant l'heure, elle ne se laisse rien imposer, vit selon ses propres croyances, quitte à mener des guerres. Partons sur les traces d'une reine hors du commun dans cette belle ville de La Rochelle. Bonjour Françoise. Bonjour Ariane. Alors vous m'avez donné rendez-vous ici à la rue d'Escale pour parler de Jeanne d'Albret. Qui est-elle ? Jeanne d'Albret est née au château de Saint-Germain-en-Laye en novembre 1528. Son père est Henri d'Albret, roi de Navarre, titre dont Jeanne va hériter. Et puis sa mère n'est autre que la sœur du roi, Marguerite d'Angoulême. Avec une telle famille, Jeanne d'Albret doit avoir un sacré caractère quand même. Elle va montrer très tôt sa force de caractère, sa grande personnalité, puisque déjà toute jeune, elle n'a que 13 ans. Et elle va s'opposer à son oncle François Ier, qui vient lui annoncer son mariage avec le duc de Clèves, Guillaume de la Marck. Et elle ose défier son oncle, elle refuse. Il va falloir la traîner jusqu'à l'hôtel, la prendre par les cheveux, pour qu'enfin elle accepte. Donc physiquement, on la contraint. Oui, on la contraint. Mais elle va se défendre, elle va écrire des protestations. Et grâce à sa ténacité, elle va réussir à faire annuler ce mariage. Alors là, elle est très très contente puisque Henri II, le successeur de François Ier, va lui proposer Antoine de Bourbon, duc de Vendôme. Et là, c'est le coup de foudre, on peut le dire. C'est le coup de foudre, elle tombe tout de suite amoureuse. Donc comme elle, il est de sang royal et c'est le premier prince du sang. Ça veut dire que après les fils d'Henri II, il est en première position pour accéder au trône. De ce mariage naît en 1553 Henri, le futur Henri IV, qu'elle élève en Navarre dans le culte protestant. À partir de 1568, la troisième guerre de religion fait rage. Jeanne et son fils n'ont d'autre choix que de prendre la route de La Rochelle, place forte du protestantisme en France. Bonjour Jean-Claude. Bonjour votre dame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes arrivé depuis le XVIe siècle et vous avez bien connu Jeanne d'Albret. Et oui, oui, je suis rocher depuis très très longtemps, effectivement, et j'ai bien connu Jeanne d'Albret quand elle est venue dans nos murs, oui. Et alors, quelle était la situation de cette belle ville de La Rochelle au XVIe siècle ? Ben, La Rochelle au XVIe siècle, c'est une ville très riche. Bien sûr, depuis le Moyen-Âge, nous avons des privilèges qui font que nous ne payons pas de taxes, donc c'est tout bénéfice pour nous. En plus, nous avons toujours eu l'idée d'aller vers l'océan, vers le large. Nous faisons du commerce avec les pays du Nord. La Rochelle commerce avec des pays protestants, comme l'Allemagne ou le Danemark, et ramène dans ses navires les premiers textes de Luther. Le protestantisme a bouleversé l'histoire de Jeanne d'Albret et celle de La Rochelle. La rencontre entre les deux va offrir à cette religion l'occasion de s'affirmer et tenir tête au parti catholique. Nous sommes ici dans le musée du protestantisme. Alors dites-nous, quelle est la situation de cette religion à La Rochelle durant les années de Jeanne d'Albret ? Quand Jeanne d'Albret arrive, il s'agit de préparer la troisième guerre de religion. Il y a déjà eu la première, une seconde, et tout se passe ici à La Rochelle pour lancer la troisième. Ça se passe ici parce que La Rochelle a des atouts pour concentrer les troupes. Il y a là une puissance à la fois militaire, une puissance monétaire. En fait, La Rochelle permet à Jeanne d'Albret et au prince de concentrer tout ce dont on a besoin pour pouvoir déclencher une guerre. Quels sont ces princes dont vous parlez ? Il y a Condé, que La Rochelle accueille, il y a Coligny, et un certain nombre de capitaines qui sont absolument essentiels pour mobiliser l'essentiel des troupes pour engager cette troisième guerre de religion. Donc Jeanne d'Albret devient pour ses troupes non seulement la reine de Navarre, ce qu'elle est, mais elle est aussi une chef de guerre importante. Donc Jeanne d'Albret, elle structure cette force protestante, mais il faut également la diffuser, cette religion. Et je vais vous montrer un lieu où vous allez comprendre ce qu'est la diffusion du protestantisme. Nous sommes dans un temple protestant. C'est là où les protestants se réunissent lors d'assemblées de prière, lors du culte dominical. C'est le lieu où s'enseigne la doctrine protestante. Comment
Jeanne d'Albret diffuse-t-elle cette religion protestante ? Elle fait venir à La Rochelle des imprimeurs pour que le livre protestant soit diffusé, pas simplement à La Rochelle, mais dans l'ensemble des provinces, dans l'ensemble du royaume de France. Et puis, ne pas oublier qu'elle fonde un collège. Et le collège a l'ambition de former des pasteurs de très haut niveau intellectuel. Et là, Jeanne d'Albret va jouer un rôle majeur dans le protestantisme de ces années-là, parce qu'il s'agit de former le peuple à une nouvelle religion. Et pour arriver à ses fins, la reine de Navarre sort sa carte maîtresse, son fils Henri. Son fils, qu'elle présente comme le chef de la cause, doit absolument être irréprochable sur le plan religieux. Et Henri de Navarre reçoit une éducation d'excellent niveau en matière théologique. Donc finalement, son fils, c'est son plus gros outil de diffusion du protestantisme. C'est l'instrument essentiel pour Jeanne d'Albret. Henri de Navarre a été formé pour faire de la France un pays protestant. Personnage de tête de pouvoir, Jeanne se révèle également être une femme d'affaires aux méthodes très musclées. Jean-Claude, vous qui connaissez bien Jeanne, dites-moi, à quoi est-ce qu'elle occupe ses journées à La Rochelle au XVIe siècle ? Mais il y a une chose très importante pour elle, c'est de récolter de l'argent. Elle a des armées quand même à entretenir. Alors bien sûr, les Rochelais sont mis à contribution. Elle leur a imposé, dès qu'elle est arrivée, 80 000 livres. Allez, envoyez la monnaie, elle nous saigne. Rançonner les Rochelais ne lui suffit pas. Sans état d'âme, elle prend l'argent là où il se trouve. Alors elle a commencé à faire confisquer les biens religieux, les biens des églises, les biens des prieurés, les biens des abbayes. Et puis par la suite, ça ne lui suffisait pas, donc elle a fait la guerre de course. Elle a eu des corsaires. Les Espagnols ramenaient de l'or, ramenaient de l'argent. C'était bonne prise tout ça. Qu'a-t-elle fait pour la ville de La Rochelle ? Est-ce qu'elle a laissé des traces ici ? Mais bien sûr, il n'en reste plus grand-chose. J'ai fait le tour, il n'en reste plus grand-chose. Mais elle a modernisé les remparts. Nous avions encore ces vieilles tours médiévales qui ne tenaient pas au canon. Et elle nous a fait des bastions modernes à l'italienne. Et comment a-t-elle fait ? Ah, venez donc voir, je vais vous montrer. Eh bien voilà, pour construire les remparts, elle a arraché les pierres de nos églises. Regardez ce qu'il en reste, c'est une misère. Ah oui, effectivement, mais on voit quand même cette tour qui est restée intacte. Mais bien sûr, elle conservait les clochers parce que ça permettait de mettre de l'artillerie dessus pour arroser les assaillants éventuels. Après 3 années d'intense activité à La Rochelle, Jeanne quitte la ville. Pourquoi est-ce que Jeanne part de La Rochelle ? L'année précédente, en août 1571, a été signé l'édit de Saint-Germain, un édit de pacification qui est très favorable. Mais il y a une clause. C'est cette clause qui tracasse Jeanne d'Albret. Quelle est-elle ? Ah, c'est le mariage de la princesse de France, Marguerite, avec son fils, Henri. Jeanne se doute bien que ce mariage, c'est un moyen pour Catherine de neutraliser les protestants. En même temps, Jeanne se dit que ce mariage va rapprocher son fils du trône. Pouvoir royal, hein, du trône. Et ce mariage va avoir lieu le 18 août 1572, mais Jeanne n'y assiste pas, parce qu'elle est morte quelques mois avant, elle meurt en juin. Dites-moi, est-ce que c'est vrai qu'elle est morte empoisonnée par Catherine de Médicis, comme le raconte Alexandre Dumas ? C'est un peu une légende. C'est une légende. C'est une légende. En fait, elle est morte du poumon, d'une pleurésie. Et pas du tout par empoisonnement avec des gants enduits d'un parfum mortel qui lui aurait été fourni par un fournisseur italien de la part de Catherine. Enfin, moi, j'adorais cette histoire. On aime beaucoup, mais croyez-y si vous voulez, peu importe.